Allumage. Comment il va le marié? Oh, ça va, hein, on se prépare. Hein. C'est le préparatif. Ouais, on va laver un peu la voiture pour être propre quand même. La mariée. Mariée, ouais. C'est le la jour future dit. Madame Koubemba, ouais. Ah, ça c'est beau ça. Ah bah oui. Gonna cover up, it will always remain. Sat there sipping on another cup to take it away. It weighs so heavy on your heart. So what you gonna do now? Now that you're falling down. There's only so much I can do if you're not loved. Marching in to try to save the day, it never works out. Always hopeful that I'll make a change. What's that about? It weighs so heavy, so heavy. Staring out the window.
Cette maison qui nous rassemble sous le ciment de la devise de notre République, inscrite ici, derrière moi, liberté, égalité, fraternité, est donc aujourd'hui le lieu de votre engagement réciproque. Liberté, c'est celle que vous avez aujourd'hui de vous choisir, de vous choisir et de vous engager sur un chemin commun. Liberté d'inventer votre vie ensemble, sans que cela nuise au droit d'autrui. L'égalité, qui signifie que la loi est la même pour tous et que nous sommes dans une même égalité de droits et de devoirs. La fraternité, c'est celle qui nourrit les amitiés et ce souci de l'autre. Mais votre union aujourd'hui se bâtit d'abord sur des relations personnelles et dans cette maison, vous venez accomplir un acte administratif qui est aussi un engagement réciproque et un acte civique important. Je vous souhaite donc une belle route ensemble. Il est déjà bien commencé, si j'ai compris. Et donc, une bonne continuation. Et nous allons donc passer à la célébration officielle du mariage. Donc, je vais vous demander de vous lever. Donc, nous allons donc procéder à la célébration. Vous m'entendez tous ? Oui. Parce qu'avec nous... Nous allons donc procéder à la célébration du mariage de Gisèle Zoulami Doumbou et Marc-Adrien Koumemba. Le 15 janvier 2020, à 14h, à Ivry-Courcouronnes-Essonne, devant nous, en comparu publiquement à la maison commune, Marc-Adrien Koumemba, conducteur routier, domicilié à Ivry-Courcouronnes-Essonne d'une part, et Gisèle Zoulami Doumbou, opératrice en imprimerie, domiciliée à Évry-Courcouronnes, d'autre part. A-t-il été fait un contrat de mariage ? Non. Donc, nous allons arriver au point sensible, voilà. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214.
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, elles y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Donc, Madame Gisèle Zulani Tungu, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Marc Adrien Koubenba, ici présent? Oui, je le veux. Oh. Tout le monde a entendu? Non. Oui, je le veux. Monsieur Marc Adrien Koubenba, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Gisèle Zulani Tungu, ici présente? Oui, je le veux. On entend tout. Donc, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Donc, en présence... Il faut que je dise encore un truc. Voilà. En présence de Sira Kinfusia Senga, épouse Yudi Kibwele, pardon, auxiliaire de vie, de Fernand Yudi Kibwele, agent de gestion, tous deux domiciliés à Acher dans les Yvelines, de Guy Filankembo, ouvreur domicilié au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, et de Claude Samba, préparateur de commandes, domicilié à Grigny, Essonne, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins, on signe, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Pascal Chataignon, adjoint au maire de Bicouronne, officier de l'État civil. Donc, on va d'abord échanger des alliances. Oui, c'est monsieur qui commence. Oui. D'habitude, ça se fait plutôt à l'église, les alliances. C'est bon. Gisèle Zulani, t'offres cette alliance pour témoigner mon amour. Alors, vous pouvez vous rasseoir. On va procéder à la signature des actes.
Kebele. Caroline Piron. Est-ce que mes si Axel Monzola. Aujourd'hui, c'est le jour J de maman Gisèle. D'accord. On est là, des prochaines, c'est pas encore cuit. Donc voilà, deuxième épisode, Pena et Bandi. À la tête, à la rangana, on l'a malé, mais c'est mille. C'est pas grave. Parce que ici, c'est Paris, hein, donc c'est ça. On a solo, bilé, les bandits. Tout ça. Bon, c'est quand la tête, la Zoïa. Didi, Kinoani, Ignace Moleka. Zakari wa Babassou, comment voit le correcteur à James Charlie Mboka na biso et tonda basikito. Physicien Zao Jouvens, le titulaire. Bolo à Bonzapo, Ilunga Mwanabuti, Tokombe Edo. Nandi Makiteo, Nandi Makiteo, Nandi Makiteo. Oh,
Jean Bobo. Pour elle, la prairie sera toujours verte et les fleurs qui y poussent ne faneront jamais. Elou Charoufa, mère Mabisso. Salananga nyasa lingina bomdima mpoza mokoyeti.
tikanga moko na susi isolé foni papa Laurent Lalemba et mal salissé minel mote mezana ngobolingo olete nzinga eza mampete ndengela lila kayo bayo eza bolingo nzambe moto atinda bwi on l'amour eza ngelengi soki bakolinga yo soki balela yo la Schengen, Germaine Kalema, Godé Boutonni, Babé Maziku. Juliette, la femme. On a eu un problème, il y a un
Yeah!
Ah,
peux dire un mot de la fin. À cause du confinement, on est obligé de partir. Bah oui. À cause de... Mais là, nous sommes à l'Oumpoutoukako. Même si nous sommes à l'Oumpoutoukako, Moulari quoi. Moulari pour avoir tout mal. Moumou nous coupe pas. Mais toi tu l'as pas. Allez bon. Moumangala. C'est bien passé. Anglais. Is you. Good morning, good morning. We are, we are. Anneli. The music, music, music. Yes. Bon. Quand tu es le bête, c'est quoi ça? Et là quand tu dis que caresse bon. Ton côté. Bon dimanche. Reposez-vous bon bien sur toi. Hein. Oui, merci. Pas ok. Ok. Ça, c'est notre petite sœur. Ah, il y a un petit peu en bataille. Kamata. Attends, quoi? Et non, ça se. Je vais tout soulever.
Let's go.
Ça, 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 ça
Un jour J, un jour spécial. On se marie qu'une seule fois dans la vie. Ce fut un plaisir que votre papa, notre tonton, notre grand-père, notre oncle, notre frère et notre mère, notre sœur, notre grand-mère, notre sœur, notre tati, se sont mariés aujourd'hui. Papi. Mon petit frère. Ton petit frère. Papi. Oh, c'est papi. Ton petit frère. Petite sœur. Ma petite sœur. Se sont mariés. Ils ont jugé bon, le 15 janvier, de se marier. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est une joie. C'est vraiment quelque chose qu'on ne fait qu'une seule fois dans la vie. On se marie qu'une seule fois dans la vie. Si tu te maries deux fois, c'est un mariage. Le deuxième mariage, c'est un mariage piraté. Bref, donc papa et maman sont mariés maintenant. On les appelle les mariés. Un immense plaisir. Et fais du bruit pour papa et maman pour cette journée. Pour finir, parce qu'il y a le couvre-feu, ils vont couper le gâteau et après chacun pourra récupérer son petit gâteau et son petit champomis et son champagne. Donc papa et maman, vous avez l'honneur de couper le gâteau. Ah, attendez, papa il va parler. Il a pris la bichoise. Écoutez papa. Non, juste un mot, non. C'était juste pour vous remercier. C'est-à-dire que, vu les circonstances actuelles, vous avez bravé les interdictions pour nous soutenir. Ça nous va droit au cœur. Franchement, les moments sont un peu vraiment spéciaux quand même. Hein.
Donc, vu les interdictions, Covid et tout ça, voilà, il y a le couvre-feu. Vous avez quand même vraiment quitté vos familles pour venir nous soutenir. Vraiment, c'est vraiment pour nous, vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Donc, vu les circonstances, donc il y a le couvre-feu qui est là. On va souffler le gâteau pour vous libérer aussi, pour vraiment regagner vos familles. Et de ne pas vraiment subir les amendes et tout ça. 135 voilà. euros. Ah bah oui, bah, c'est énorme quand même. Voilà. Donc on va souffler le gâteau. Et merci à vous, hein, une fois de plus. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Ça nous va droit au cœur. Merci d'être. Madame, merci. Merci.
C'est bon ça. Ça c'est bien dit. Je félicite maman, c'est Maria avec moi. Je suis très fière et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Merci la miss. Bon, bonsoir, je m'appelle Cédric. Aujourd'hui, c'est le mariage de mes parents, Marc Adrakoumemba et Gisèle Nzulani. Je suis très content qu'ils se marient enfin. Et puis voilà. Et je remercie aussi les invités qui sont venus nous soutenir, quitter leur famille pour nous soutenir. Ça, c'est vraiment gentil de leur part. Voilà quoi. Merci. À bientôt. À bientôt. Saja. Après Nzulani Gisèle, donc la dernière des Nzulani, c'était juste pour remercier tout le monde. Et je voulais juste faire un honneur à mes parents, vu que nous sommes orphelines de père et de mère. Et j'ai fait ce que mes parents allaient faire pour leur fille. Donc c'est juste... j'ai redonné la joie à ma soeur. Et merci beaucoup pour son mari. Et merci beaucoup à son mari pour ce qu'il vient de faire à ma grande soeur. Bien que c'est après que nos parents soient là, mais c'est pas grave. Merci. Donne-moi ta main, Anisha, ma préférée Pauline.